Bienvenue au mental actif. Alors, je suis conscient que vous pourriez ne pas l'admettre ouvertement, mais soyons honnêtes. Si vous incarnez l'esprit Sigma, il est possible que votre cercle d'amis ne soit pas particulièrement étoffé. Et c'est tout à fait honorable, vous êtes intelligent, compétent et vous le savez. Cependant, vous vous demandez peut-être pourquoi votre entourage amical ne regorge pas d'amis qui vous comprennent. Certes, vous n'êtes pas du genre à suivre la masse, et c'est une part inhérente de votre personnalité. Mais l'intrigue s'épaissit. Il y a une dimension psychologique à explorer, plongeons donc plus profondément dans les raisons pour lesquelles le Sigma se retrouve souvent en solitaire du côté amical. Restez avec nous pendant que nous démêlons la psychologie derrière ce mystère. Commençons. Filtre de vérité. Les gens mentent, beaucoup. Ils ont un talent pour déformer la vérité un peu trop, transformant la construction de la confiance en un marathon pour les hommes Sigma. Une étude de l'Université du Massachusetts a révélé que 60% des adultes ne peuvent pas tenir 10 minutes sans raconter un mensonge, et 70% d'entre eux sont prêts à récidiver. Maintenant, les hommes Sigma, ce sont des experts de la vérité et de la psychologie humaine. La confiance n'est pas distribuée comme des bonbons, elle se mérite par une fiabilité constante. Cela rend un peu délicat le fait de nouer des amitiés étroites, car l'approche directe des Sigma pourrait froisser quelques plumes dans le monde des discussions légères. L'efficacité est leur jeu, pas de temps à perdre à tourner autour du pot. Ils préfèrent aller droit au but et dire la vérité sans fard, montrant ainsi leur intelligence. Ils détectent rapidement les mauvaises vibrations. Vous avez déjà ressenti que quelque chose clochait et que vous n'étiez simplement pas à l'aise avec la situation ou une personne? Peut-être une énergie étrange ou, pire, quelqu'un essayant de profiter de vous. Les hommes Sigma n'aiment pas se sentir manipulés ou pris pour acquis. Si vous agissez de manière louche ou mentez, même s'ils vous connaissent, ils prendront leur distance. Des problèmes de confiance? Oui, mais c'est une question d'intelligence et de préservation de soi et de la psychologie humaine. Les hommes Sigma ne s'approcheront pas si quelque chose ne va pas ou si vous n'êtes pas fiable. Mieux vaut prévenir que guérir est leur devise. Si quelque chose sent mauvais, les Sigma sont en alerte, observant chaque geste. Cela peut sembler intense, mais c'est pourquoi ils ne se laissent pas berner. Certains le voient comme un défaut, mais de leur point de vue, c'est simplement du bon sens, à moins que vous ne soyez d'accord pour être pris pour acquis. Les hommes Sigma ne cherchent pas une immense bande d'amis, mais quelques compagnons loyaux et intelligents. Alors que d'autres recherchent une acceptation large, les hommes Sigma sont sélectifs. Ils préfèrent un groupe restreint, ces amis fidèles qui sont toujours là pour eux. Gérer de nombreuses amitiés, trop épuisant pour les Sigma, ils évitent de se disperser. Ce n'est pas qu'ils soient antisociaux, ils privilégient la qualité à la quantité dans leurs relations. Les hommes Sigma ne cherchent pas un vaste réseau d'amis, ils recherchent quelqu'un qui les comprend vraiment. Ce genre de lien est rare, donc les hommes Sigma sont exigeants sur qui entre dans leur cercle intime. Si vous passez leur sélection et gagnez leur confiance, vous avez un ami pour la vie. Attendez-vous à une loyauté inébranlable et à une honnêteté totale de votre ami Sigma, démontrant ainsi leur intelligence. Bien que cela rende la création d'amitié difficile, cela ajoute de la profondeur aux liens qu'ils forment. Une telle loyauté est une perle rare, mais une fois acquise, c'est un lien qui résiste à l'épreuve du temps. Les hommes Sigma préfèrent des amis toujours présents après des années, pas ceux qui se montrent seulement quand cela leur convient. Explorons le quatrième point. Les hommes Sigma sont très sceptiques, surtout en ce qui concerne les amitiés rapides. Alors que de nombreux alpha mâles donnent la priorité à la réputation et au statut dans leurs amitiés, les hommes Sigma sont plus discernants. Ils comprennent que l'entourage influence le caractère, donc ils abordent les amitiés potentielles avec prudence. Des amis rapides, les hommes Sigma trouvent cela suspect quand un parfait inconnu devient soudain proche. Ce n'est pas qu'ils évitent de se faire de nouveaux amis, ils valorisent simplement des connexions authentiques et intelligentes. Former des liens étroits du jour au lendemain, les hommes Sigma préfèrent prendre le temps de connaître quelqu'un avant de le considérer comme un ami. Les relations superficielles ne sont pas leur style. Ils recherchent des connexions où l'autre personne a leurs meilleurs intérêts à cœur. Vous avez entendu le dicton « Tu es la moyenne des 5 personnes avec qui tu passes le plus de temps ». Les hommes Sigma prennent cela au sérieux, visant des amis réellement bénéfiques pour eux, pas simplement des suiveurs ou des personnes présentes par commodité. Leurs attentes en matière de loyauté, de confiance et d'intelligence émotionnelle. En ce qui concerne la confiance et la loyauté, ils exigent un engagement sans faille et une intelligence émotionnelle. Ils ne s'intéressent pas à ceux qui restent seulement lorsque cela leur convient. Ce qui compte pour eux, c'est de trouver quelqu'un engagé dans les bons comme dans les mauvais moments. Les Sigma possèdent un sens aigu pour détecter lorsque quelqu'un n'est pas totalement investi. La loyauté est leur priorité absolue, ce qui en fait des amis, partenaires et confidents exceptionnels. Ce n'est pas seulement une question d'attendre la loyauté. Ils sont farouchement loyaux envers ceux qui leur tiennent à cœur.
protéger leurs proches est une priorité, quelle que soit la situation. Dans les relations amoureuses, leur dévouement se manifeste lorsqu'ils redoublent d'efforts pour que leur partenaire se sente en sécurité. Cependant, les hommes Sigma n'oublient pas facilement les questions de confiance et de loyauté. Reconstruire la confiance après une trahison n'est pas une tâche facile. Bien que certains puissent envisager une seconde chance, la plupart ne le feront pas à moins d'être certains d'un remords sincère. La loyauté est considérée comme une denrée rare, et les hommes Sigma la valorisent profondément. Ils sont rares et souvent incompris. Les hommes Sigma sont une espèce rare et sont souvent mal compris par les autres. Leur type de personnalité unique et leur psychologie profonde ne sont pas quelque chose que les gens rencontrent tous les jours. Ils ne se conforment pas à l'idée conventionnelle de ce qu'un normal devrait être, ce qui rend difficile pour eux de trouver leur place dans le monde. Ne confondez pas leur comportement discret avec du pessimisme. Ces gars-là sont des optimistes inébranlables, avec une profonde appréciation de la vie. Les hommes Sigma abritent souvent une force intérieure, une intelligence émotionnelle et une sagesse vraiment exceptionnelle. Leur façon distinctive de penser et de se comporter les distingue. Beaucoup de femmes sont attirées par eux car elles perçoivent la profondeur de leur caractère et admirent leur sens inébranlable de soi. Évitez les conflits. Les hommes Sigma ont une forte aversion à s'impliquer dans des conflits ou des drames. Ce sont des individus amoureux de la paix qui évitent les disputes, privilégiant des résolutions calmes aux problèmes. Les disputes et débats houleux ne sont pas leur style. Ils croient en une communication constructive plutôt que destructive, suivant une approche qui intègre subtilement la psychologie. Bien que certains puissent percevoir cela comme de la faiblesse ou de la passivité, c'est en réalité une démonstration de force et de maturité. Ils savent que rester silencieux demande plus de courage que crier. Bien qu'ils évitent généralement la confrontation, s'il arrive que quelqu'un tente de profiter d'eux ou marche sur leur plate-bande, ils n'hésiteront pas à se lever et à se défendre. Derrière leur apparence silencieuse se cache un homme Sigma qui sait comment gérer les situations quand c'est nécessaire, cherchant toujours à désamorcer et à trouver une solution pacifique. Les hommes Sigma ne sont pas enthousiastes à l'idée de grandes foules. Ils se sentent mal à l'aise avec les conversations futiles et les groupes animés, préférant les discussions en tête-à-tête pour des connexions plus significatives, mettant en avant leur intelligence subtile. Malgré leur comportement calme dans les grands rassemblements, ils préfèrent être dans des cadres intimes, avec des amis proches et leur famille. Cette préférence s'étend à leur choix de carrière, évitant les professions impliquant une prise de parole en public intensive ou une exposition constante sous les projecteurs. Ils privilégient l'impact discret en arrière-plan. Merci de suivre Mental Actif et notre contenu sur la psychologie humaine. Si vous souhaitez que nous partagions davantage sur des sujets spécifiques, n'hésitez pas à nous le faire savoir dans la section des commentaires ci-dessous. Jusqu'à la prochaine fois, prenez soin de vous.